بسم الله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع السماء وبسط الأرض وفضل بعض الأيام على بعض له في أيام دهرنا نفحات يزل به يزل فيها العطاء ويجيب الدعوات أحمده سبحانه وتعالى بما هو له أهل من الحمد وأثناء والثناء عليه وأؤمن به وأتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أيها الإخوة المؤمنون فإن موضوع الخطبة الذي نتناوله في هذا اليوم الكبير هو دور العيد الأضحى في توجيه سلوك الفرد والمجتمع نتعلم من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقوى الله تعالى عز وجل والتوكل عليه والاستسلام والطاعة له وبذلك تكون النتيجة الفوز في الحياة الدنيا والنجاة في الآخرة. شفرير شرسر العيد الأضحى هي la deuxième fête de l'islam après celle de la fin du mois de Ramadan. Elle correspond à un des moments privilégiés et importants du Hajj, celui du sacrifice que le musulman effectuait que le musulman effectue en commémorant le geste de Sayyidina Ibrahim en signe d'obéissance et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. L'engouement des musulmans pour le Hajj est le résultat de l'appel de Sayyidina Ibrahim suite à l'injonction d'Allah qui lui dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Wazin finnas bil Hajj. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَلَا كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيكٍ. Appelle les hommes au Hajj. Ils répondront à ton appel à pied et sur toute monture venant des contrées les plus éloignées, les plus reculées. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ زُرِيَّةِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله سبحانه وتعالى dit ici, ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture près de ta maison sacrée, la Kaaba. Ô Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salat, la prière. Fais donc que se penche vers eux le cœur d'une partie des gens et nourris-les des fruits, peut-être afin qu'ils soient reconnaissants. Ici, Sayyidina Ibrahim alayhi salam a lancé une prière et a demandé à Allah de faire en sorte que le point de déplacement de beaucoup de milliers de millions de personnes par an soit vers la Kaaba, au pied de laquelle il a établi son fils et sa mère, et également demander à Allah que rien ne leur manque de fruits et de nourriture. Mais la condition que cela leur soit facilité par Allah, qu'ils accomplissent la prière. Ô notre Seigneur,
J'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée. Ô Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière, fais donc que se penche vers eux le cœur d'une partie de l'humanité et nourris-les de fruits afin qu'ils soient reconnaissants. Le peuple de l'islam doit être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Vous allez à la Mecque, il pleut peut-être une fois par an, ou deux fois, au plus trois fois. Mais rien ne manque de fruits, rien ne manque de nourriture. Dieu les a mis à l'abri du faim et de la soif en leur disant Faliya abudu rabba hazal bait, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Je leur promets, le Seigneur de moi nous le dit, je leur promets aux habitants de la Mecque d'adorer Allah en se tournant vers la Kaaba, ce qui est de leurs soucis de nourriture et de besoins. Allah prendra cela en charge et cela fait des millénaires et des millénaires que ce peuple est donc au pied de la Kaaba et Allah subhanahu wa ta'ala leur apporte tout ce dont ils ont besoin. Chers frères et chers sœurs, c'est donc l'histoire d'un homme, d'un patriarche, d'un ami de Dieu. L'histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Il a connu dès le début de sa vie des épreuves dures les unes les autres. En effet, Sayyidina Ibrahim, au moment où il était enfant dans la Bible en Babylonie, ce qui se situe aujourd'hui entre l'Irak, une partie de l'Iran et autres, de là-bas, il naquit dans un peuple adorateur d'idoles. Et en tant que futur messager du Seigneur des mondes, il ne voulait pas adorer les idoles, mais bien au contraire, il demanda aux gens qu'ils cessent d'adorer ce qui ne peut leur être ni utile dans leur vie, qui ne parle pas et qui ne peut pas apporter quoi que ce soit. Cela lui valut la colère des dirigeants de la cité, au point que Sayyidina Ibrahim fut l'objet d'un complot, car les dirigeants de cette cité ont décidé pour que cela ne se répète plus dans leur histoire de brûler vif Ibrahim. Ils furent donc un grand feu et au-dessus d'une montagne, Ibrahim fut précipité et jeté dans le feu. Dieu ne dort pas. Il vient toujours au secours de ses amis, de ceux qui se sont soumis à lui. Et le Seigneur demande, Allah dit au feu, Ya Nar, Kouni Bardan wa Salam ala Ibrahim. Dieu dit à sa créature le feu, ô feu, sois fraîcheur et paix sur Ibrahim. Ibrahim est resté assis dans le feu ne l'a pas brûlé. Et si Dieu n'avait pas dit sois fraîcheur et paix, la fraîcheur l'aurait tué. En disant sois fraîcheur et paix, cette fraîcheur était donc mesurée pour que Sayyidina Ibrahim vive dans le feu sans être brûlé. Cela a permis de convaincre certains, mais beaucoup d'autres ne l'ont pas été. Il fut ainsi ostracié et il fut ainsi rejeté jusqu'à éconduit de leur cité pour qu'ils partent ailleurs vivre, parce qu'ils ne pouvaient pas vivre avec les idolâtres qui l'ont ainsi abandonné, parce qu'ils ne voulaient pas changer. Sayyidina Ibrahim alayhi salam va donc connaître l'exil. Vous en savez quelque chose, en 2010, face à Allah que nous ne connaissions plus, sa situation malheureuse, difficile, éprouvante, Sayyidina Ibrahim fut contraint de quitter son pays pour aller vivre ailleurs.
parce que les conditions de vie étaient devenues insupportables et personne ne le soutenait. Aussi, il s'est vu jeté ostracé, comme je l'ai dit, comme tous les messagers. Le prophète Ibrahim a été contraint d'aller à l'exil. Il va connaître encore une autre difficulté, une autre épreuve, ceci qui est inhérente à la nature humaine. Nous aspirons, après le mariage, tous, autant que nous sommes des humains, d'avoir une progéniture. Sidna Ibrahim, jusqu'à l'âge de 80 ans, plus de 80 ans, lui et son épouse Sarah n'ont pas connu de naissance, sa femme n'a pas mis au monde. Ainsi, son épouse va lui dire: Ibrahim, je te suggère de prendre notre domestique comme ton épouse, afin que nous puissions, elle est jeune, pour que nous puissions avoir une progéniture, ce qui n'est pas très souvent vu dans la nature humaine, qu'une femme suggère à son mari: prends notre domestique, peut-être que par la grâce de Dieu, Dieu va nous donner une progéniture. Ce qui fut fait, Hajar, qui était la domestique, a connu donc tous après le mariage un début de grossesse. Et le vieux de 80 ans ne peut pas rester loin de la jeune femme qui porte l'enfant héritier du messager. Il était très souvent regardant, toujours à côté. Et le Seigneur de monde connaît la nature humaine mieux que nous-mêmes. Et il a senti que cela faisait un petit pincement au cœur de sa première épouse. Allah va lui demander d'envoyer cette jeune dame plus loin et à la Mecque. En ce moment, l'enfant était né pour aller vivre au pied de la Kaaba. Ceci est aussi une autre preuve que Dieu va se faire subir à son messager. Aller déposer sa femme et l'enfant bébé à côté de la Kaaba avec une gourde d'eau et un peu de dattes. Après avoir déposé, la femme lui demande: tu nous laisses à qui? Hajar, il va répondre à son épouse: je vous laisse à Allah. Si tu nous laisses entre les mains d'Allah, Allah nous suffit. Souvenez-vous, au moment où Sidna Ibrahim était en train d'être jeté dans le feu, la bénédiction qu'il a dite, c'était Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Je me confie à Allah, il est le meilleur secours. N'est-ce pas qu'Allah l'a secouru? Allah l'a secouru. Et cette fois-ci encore, la femme qui demande à son mari: à qui tu nous, entre les mains de qui tu nous laisses? Il dit: je vous mets entre les mains d'Allah. Et la femme va répondre la même chose: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nous nous confions donc à Allah. Allah est le meilleur secours. Ce moment est un moment extrêmement difficile pour Sidna Ibrahim. En quittant sa femme et l'enfant, il arriva derrière une montagne où il ne voyait plus sa famille pour s'adresser au Seigneur du monde en disant ceci: ô Seigneur, j'ai établi ma famille auprès de ta maison. Fais en sorte qu'il ne soit pas abandonné et que des gens viennent de partout les rejoindre. Ils viendront à Dodan, ils viendront à cheval, ils viendront sur les dromadaires, mais ils viendront encore par d'autres montures qui ne sont pas celles-là. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, les gens qui partent ne vont plus à deux de chameaux, ni à deux de dromadaires ou d'ânes. Les gens vont maintenant en avion. Alors que nos parents sont partis d'ici à la Mecque à pied. De Touba,
de toutes les contrées du monde, les gens partaient à pied. Nous connaissons l'histoire d'Askia Mohamed et Sonny Alibert qui sont allés faire le pèlerinage à dos de chameaux, à dos de chevaux. Et cela est retenu jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire de la Mecque parce que les gens étaient pauvres, les gens n'avaient rien. Et cette caravane des souverains africains sont allés donner aux Mecquois et aux Médinois. Tous ces gens avaient besoin avec même un budget qui était destiné à aider les habitants de la cité pieuse et de la cité sacrée. Donc, Sayyidina Ibrahim va connaître cette épreuve et Hajra avec l'enfant, elle était soucieuse, il n'y a plus grand chose, il n'y a pas beaucoup d'eau et il ne reste plus de nourriture. Elle alla faire les va-et-vient entre Safa et Marwa. C'est ce que nous parcourons en tant que pèlerins aujourd'hui. De Safa et Marwa, elle revient de temps en temps voir son enfant si l'enfant était encore bien portant. Et étant sur Marwa, de loin elle regarda de l'eau qui est en train de jaillir sous le pied de l'enfant. Et elle revint pour prendre l'eau, Zam, Zam. Zam, Zam dans la langue de l'époque voulait dire doucement, doucement, doucement. Et les chroniqueurs nous disent que si elle n'avait pas fait cette prière de doucement, doucement, l'eau allait envahir toute la cité de la Mecque. Et c'est cette eau qui est une eau millénaire qui soigne, qui étanche la foi et qui, lorsqu'on la boit avec une intention, cette extension de bonheur est acceptée. Si on la boit pour la guérison est effective. L'épreuve de notre père Adam ne s'arrêtera pas là. Il avait fait une promesse à Allah. Si, Seigneur des mondes, tu me donnes un enfant, cet enfant, je vais te le retourner. Je vais l'immoler en signe de sacrifice pour être reconnaissant vis-à-vis de toi. Alors, lorsqu'il est revenu voir sa femme et son enfant, qui était alors adolescent, il voit, Allah lui rappelle sa promesse. Allah lui rappelle sa promesse. Tu as promis que tu allais immoler cet enfant. Mon amour, qu'est-ce qu'il en est? Il dit, Seigneur de mon, j'y pense. Il alla voir son fils. J'ai vu hier en rêve que je suis en train de t'immoler parce que j'ai fait cette promesse-là à Allah. Qu'est-ce que l'enfant va dire? Ya Abati, efa'al ma tu'mar. Satajidni, Inch'Allah. Oh papa, avec douceur et affection, il s'adresse à son père. Oh papa, fais ce que Dieu te demande de faire. Je serai parmi les patients. Je serai parmi les endurants. Ainsi, il alla encore voir son épouse pour lui dire, lui expliquer son rêve. La mère également, parce que croyante à Allah, en qui elle s'est confiée par Hasbunallah wa ni'mal wakil et qui a été acceptée, elle dit également, fais ce que notre Seigneur t'a demandé de faire. Vous voyez la qualité de la famille, une famille pieuse, une famille soumise à Allah, une famille qui agrée et qui a été agréée par le Seigneur du monde. La mère n'a pas respecté. L'enfant s'est soumis à Dieu et a accepté par confiance ce que le Père lui a dit. Cela m'est arrivé une fois. Un enfant, un jeune cadre qui est venu me voir, je veux me convertir à l'islam. Mais je fais tellement confiance à mon Père qui m'a tout donné, il faut que j'aille lui expliquer que je vais changer le courant de ma vie en devenant musulman. Il aurait pu dire, j'ai décidé, j'ai 40 ans, je peux devenir musulman, ça ne gâche que moi. Il alla voir son père en qui il fait confiance. Le père qui n'est pas musulman va lui dire, va te convertir. C'est qui t'encadre? C'est tel imam qui m'encadre. J'ai de l'affection pour cet imam.
va donc embrasser l'islam, mais apprends l'islam. Voici le Coran que mon imam m'a envoyé, que j'y lis toujours. J'attends mon tour un jour, si Dieu le veut. Comme quoi, l'histoire se répète. À quelques niveaux, il faut être tout ce qu'elle soit, qu'on y prête attention. Ainsi donc, lorsque Sayyidina Ibrahim a voulu immoler l'enfant, l'enfant a dit, porte un bandeau, pour ne pas que tu sois pris de pitié, pour regretter. Mais non, il le fit et l'enfant se coucha. En voulant passer le couteau sur la gorge, et voilà que ce n'est plus l'enfant. L'archange Gabriel avait déplacé l'enfant, et c'était plutôt un bélier venu du paradis pour sauver l'humanité, pour sauver la famille, pour apporter le salaire de la soumission et de la croyance, de la sincérité vis-à-vis d'Allah. Chers frères et sœurs, il est bon et important d'avoir des enfants de qualité. Et Sayyidina Ibrahim a prié pour ça. Il a prié pour qu'il ait des enfants qui lui fassent honneur, pour perpétuer sa foi et pour être des enfants soumis à Allah avant d'être soumis à lui. Et que cela soit dans sa postérité. Chers frères et sœurs, tous ceux que nous connaissons comme messagers, que ce soit Noé, que ce soit Moïse, que ce soit tout autre messager jusqu'à Jésus, sont les messagers issus de Sayyidina Ibrahim. Dieu a fait de sa descendance des hommes et des personnes bénies et des femmes bénies. Marie, notre mère Marie, l'exemple des femmes bénies fait partie de ces personnes sorties des bénédictions et des entrailles de Sayyidina Ibrahim. C'est pourquoi on l'appelle le père du monothéisme. Il n'a rien associé à Allah. Il s'est soumis à Allah. Et quelle est la récompense que Dieu lui donne? La première récompense que nous pouvons, donc, ce qui peut être une leçon pour nous, c'est que Dieu ne veut pas qu'on tue l'être humain pour quelque raison que ce soit. La vie est sacrée. La vie humaine est sacrée. Et cette sacralité est vue ici. Au lieu que ce soit l'homme qui soit immolé, c'est plutôt une bête que le Seigneur des mondes a pris pour remplacer l'être humain, pour remplacer l'homme. Et cela nous interpelle en ce moment de violence dans le monde. En ce moment de crimes odieux que nous voyons tous les jours. Et que cela est l'une des bases de la déclaration des droits de l'homme, le droit à la vie. Le droit à la vie. Deuxièmement, occupons-nous de l'éducation de nos enfants. Et occupons-nous également à avoir des relations de convivialité, des relations de bonheur avec nos épouses. Car c'est de ce lien-là que naissent les hommes les plus grands. Tous ceux que vous voyez qui sont aujourd'hui des leaders, qui sont des personnalités de rang respectées et respectables, moralement équilibrées, spirituellement équilibrées, sont issus chacun de nous d'une mère. Et cette mère, hommes, soyons indulgents, mais soyons de ceux qui aiment véritablement leur épouse. Ça, en cela, elles donneront des fruits qui seront notre postérité, et cela s'entretient. Ensuite, il faut retenir que le Seigneur des mondes l'a dit dans le Coran, en nous disant « Man yattaqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib » Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, Allah lui donne une porte de sortie à toutes les difficultés auxquelles il est confronté. « Man yattaqillah » Celui qui craint Allah sans hypocrisie et d'une façon sincère, en public et en privé, Allah lui donne une porte de sortie à toutes les difficultés auxquelles il est confronté. Cela n'arrive pas à qui de se retrouver. Quelle solution je peux trouver? Mais quelquefois, en se rappelant les bienfaits de sa mère ou les bienfaits de son père pour les autres,
J'arrive, Seigneur, si c'est vrai que mon père a été ceci, ou bien que ma mère a fait du bien, et elle me l'a témoigné, fasse que je sorte de ces difficultés. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, il lui donne une ouverture dans toutes les difficultés, mais il lui procure le bonheur d'une direction qu'il n'avait jamais imaginée. Quand vous aviez 20 ans ou bien 15 ans, est-ce que vous allez imaginer que vous serez député ou bien médecin ou bien que vous serez agronome, ou bien que vous serez ingénieur? Non. Mais la bénédiction, ce n'est pas on l'a fait aujourd'hui. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on en récolte les fruits. C'est possible. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont accomplé de ses bienfaits. Chers frères et sœurs, alors, retenons que Dieu est avec nous et Dieu nous dit Odu Rabbakum Tadarwan wa Kufiata innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à prier, à faire des invocations, car Dieu n'aime pas ceux qui sont injustes, Dieu n'aime pas ceux qui sont orgueilleux. Ainsi donc, je voudrais, pour l'amour de notre pays, pour l'amour de notre nation, pour l'amour de cette terre que Allah nous a confiée, où se trouvent nos entrailles, où notre ombril enterré, faisons en sorte que cette terre-là reste en paix, que la Côte d'Ivoire reste en paix. Sans la paix, rien n'est possible, rien de bon n'est possible, rien de bien n'est possible. Il n'y a aucun développement possible dans la guerre, dans les conflits. Soyons plutôt des acteurs de paix et que chacun se réveille avec cet esprit, avec cette bénédiction. C'est pour cela que sur la base des conclusions de la 4e conférence des imams, du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, tenu du 14 au 16 juin de cette année, il a été fait l'appel à nos dirigeants, à nos politiciens et ceux qui sont derrière eux. Nous leur demandons une attitude d'amour réel et effectif pour le peuple, pour le pays. On ne peut pas être fier d'être président des cimetières. Mais on a plutôt besoin d'être fier d'un pays qui devient un modèle et un havre de paix pour l'humanité, pour les uns et les autres. À la société civile, j'en appelle aux animateurs à promouvoir des actions de cohésion sociale, de solidarité et de paix. C'est dans ça que nos pères et nos mères, quelles que soient leurs différences, nous avons des centaines de vies ensemble. L'islam est venu en Côte d'Ivoire au 7e siècle. Et jusqu'à très récemment, il n'y a jamais eu de conflit de terres, conflit d'ethnie ou bien de tribus. Que la politique ne vienne pas vous inspirer le mal, mais plutôt faire en sorte que nous soyons heureux dans notre diversité et dans la diversité. À nos mamans, vous avez un rôle particulier à jouer dans le maintien et la consolidation de la paix, chère maman. La femme, par son côté sensible et son doux caractère, va façonner l'image de son enfant afin de lui assurer un futur religieux. Car la mère gère tous les aspects physiques, familiaux, scolaires, spirituels, sociaux de la vie de sa progéniture, comme ce fut le cas de notre mère, la femme de Sedna Ibrahim, alayhi salam, wa la nabina, salatu wa salam. Je vous exhorte à transmettre à nos enfants les vertus d'une cohabitation pacifique, telles que la patience, la tempérance, la solidarité, le respect de la vérité, le sens du travail bien fait, et le sens de l'effort, le respect de la hiérarchie, le respect des aînés, le sens de l'honnêteté, le sens de l'honnêteté, la décence, la modestie,
la tolérance, le sens du bien et de la bienveillance, l'amour du prochain, le respect de la vie. Nous y revenons, le respect de la vie. Oh, chers jeunes, vous êtes à 70%, les 70%.